Alors, Bagel Corner, en fait, c'est un concept de restauration rapide 100% bagel. On propose en fait un large choix de variétés de pain. On a des petites soupes pour l'hiver et des salades pour l'été. L'idée, en fait, c'est qu'on présente, on propose des produits avec des ingrédients 100% frais. C'est hyper important chez nous et on sert en moins de 70 secondes les clients. Aujourd'hui, on a 4-5 restaurants et on va en avoir 20 à la fin de l'année. Donc, on est vraiment en fort développement sur l'année 2015. L'actualité, c'était aujourd'hui donc notre première réunion de la famille Bagel Corner. Donc on était une quinzaine en restaurant avec une dizaine de franchisés. Et l'idée, c'était de faire un point tous ensemble, faire des échanges, des retours terrain sur les améliorations à faire. Et c'était vraiment très sympa. Alors les connaissances d'assiette, elles ne sont pas chères. On est à 15 000 euros de droits d'entrée et 5% de redevances. Il y a 1% de redevance communication et qui est bien entendu retourné au candidat à travers de la communication locale. Voilà. Et nous, l'idée, c'est vraiment de faire une franchise où il y a un haut service de qualité au niveau du franchiseur. C'est qu'on suit vraiment nos candidats de A à Z, à partir de la recherche du local jusqu'à l'ouverture du restaurant. Ce qui compte vraiment avant tout, c'est le relationnel avec le candidat. C'est important qu'il ait les valeurs de la famille Bagel Corner. C'est-à-dire notamment l'entraide entre candidats et le respect de participer au réseau. Au-delà de ça, effectivement, on recherche des gens qui sont déterminés, des gens qui sont commerçants et qui disposent d'un apport de minimum 50 000 euros. Bagel Corner, en fait, c'est un réseau qui est tout d'abord en fort développement. On va dire que c'est un peu le jeune réseau qui est en croissance. On a été placé par Capital.fr comme la première franchise avec le plus de potentiel en 2015. Je dirais avant tout que c'est pourquoi Bagel Corner, c'est d'abord le relationnel avec la tête de réseau. Je pense que c'est important pour un candidat. Et après, effectivement, on est sur un marché qui est en pleine explosion. Parce que le bagel, il y avait 100 millions de bagels vendus en 2014 et on est à 600 millions de bagels prévus pour 2018. Donc c'est en plein boom. Alors en fait, comme j'ai pu le dire, le candidat est vraiment suivi de A à Z. La première étape, c'est tout d'abord de m'appeler, de m'envoyer un petit dossier de candidature. Moi, j'échange au téléphone avec la personne. Après, on le rencontre en restaurant pour goûter le produit. Ça, c'est vraiment important, qu'il aime le produit, qu'il y croit et qu'il voit la qualité produit qu'on a dans le concept. Après, tout simplement, il y a un suivi qui est récurrent. On l'accompagne pour la recherche du local, on le conseille sur le financement, on le conseille sur le marketing ouverture, on l'accompagne à l'ouverture. Il y a 10 jours de formation et après on a un animateur à temps plein qui est dédié à lui pour le suivre au quotidien et qui lui passe un coup de fil tous les 2 semaines.